until j'ai accouché. Non. Et quoi, tes sangs sont tombés? Hey! C'est le palu. Hein, papa? Va, va, qui devant moi? Ouais! Ouais! Je sors avec toi. Tu fais une semaine sans me demander les fesses. Je te barre. C'est pas normal. Tu vas me dire qui te livre ça. Hein? Même les sugar daddy l'a dérangé. Tu as 60 ans, j'ai 22 ans. Tu me demandes pourquoi tu ne m'as pas connu avant. Répé, j'étais Yanné. Un homme marié t'invite. Tu sais bien qu'il est marié. Tu sais bien pourquoi il t'invite. Tu pars. Arrivé là-bas, tu lui demandes ce qu'il veut. Il veut t'adopter. Un gars t'invite chez lui. Tu connais très bien que le gars qui t'invite, s'il a te calcule depuis longtemps. Tu portes tes maigres pieds, tu pars. Tu arrives là-bas, il te reçoit bien. Il te donne à manger, il te donne à boire. Tu es au petit soin. Mais dans la petite partie où vous vous reposez là, où vous êtes couché sur le lit, avec les petits commentaires. Comme il te drague encore, il est aussi romantique, non? Avec les petits commentaires là, il commence à t'embrasser, tu laisses. Tu laisses bien qu'il t'embrasse. Il commence à te caresser. Tu laisses qu'il te caresse. Maintenant, son way est debout. Il veut commencer les vraies choses. Il veut n'ambite. Après, tu bloques alors que son way est debout. Tu connais très bien que quand le way d'un boy est debout, s'il ne libère pas, ça va lui faire mal au noyau. Mais tu bloques. Après, il part dans son coin pour digérer son yabat. Tu arrives avec tes mandibules comme le cobra. Tu demandes que bébé, tu es fâché. Un jour, on va bafler une fille. La tête va tourner comme ça là. Et vous n'allez plus jamais faire ça. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé hier. Je suis sorti pour aller à un château et j'ai croisé un monsieur qui m'a dragué. Parce que j'étais terriblement belle, comme vous voyez. Alors, il m'a amené chez lui. On a passé là, c'était magnifique. Mais alors, comme j'ai dit le matin, le monsieur commence à faire bizarre. Dès qu'il se lève, parce qu'il m'était démaquillé. Vous savez qu'on ne dort pas avec le make-up parce que ça abîme le visage. Pendant qu'il dormait, je me suis démaquillé et tout. Non, je me suis démaquillé le visage comme je suis en train de faire là simplement. Et le monsieur finit de me suivre en démaquillant. Dès qu'il se lève, il me voit. Il dit, Holy Ghost, démon, sors. Je dis, c'est moi le père, c'est moi ta belle, c'est moi. Il dit, Holy Ghost, sors. À votre avis, c'est quoi? Tout ça, c'est le manga. Seigneur, jusqu'à quand? La manière que les temps s'y sont dus, même vendre son âme au diable pour avoir l'argent est devenu difficile. Avant que je suis allé voir un marabout pour vendre mon âme, c'est sa stagiaire qui m'a dit que mon grand frère a vendu ça il y a 2 semaines. Hey! Il vend mon âme sans me dire. Informez nous-mêmes souvent quand vous nous vendez, mon frère. Tu sais que moi, avec quelle intention sur mon âme? Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché. Publicité. Je voudrais vous présenter ceci. Si tu es businessman, promoteur d'entreprise ou homme d'affaires, ceci va t'aider. Voici une superficie de 1400 mètres carrés de terrain avec titre foncé à l'appui, situé sur la route de Gousso, soit au niveau de Kolfulu, net à côté du Gémi. Une superficie de 1400 mètres carrés. Comme vous pouvez voir, les boutiques même à côté là, appartiennent à ce terrain. Donc, c'est un terrain à louer pour tout homme d'affaires. Vous pouvez utiliser ça pour vos stations de service ou autre business. Donc, c'est à louer. Bien vouloir contacter le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir des modalités ou bien pour avoir plus d'informations. Ce terrain est à louer et c'est en bordure de la route, comme vous pouvez voir, sur l'axe de soit Université de Yaoundé 2. Ok. Il y a une question que je me suis toujours posée. Si on devait compter une femme pour un homme pour une femme, maintenant, le reste des femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont devenir? Parce qu'en sachant que les hommes sont moins peuplés que les femmes, donc il y a beaucoup plus de femmes sur cette planète que les hommes. Qu'est-ce qu'elles vont faire, le reste des femmes? C'est compliqué. Je te dis que... Les noms des hommes à éviter au 21e siècle. Franck, c'est pas étonnant. C'est le président des hommes trompeurs. Sa Majesté Franck, ils sont très dangereux, surtout si la calvitie. Ils aiment beaucoup femmes, mais ils reconnaissent grossesse difficilement.
Alain, attention, si son entourage l'appelle Alino, ils sont très mortels. Ils sont toujours fauchés, mais ils ont toujours l'argent pour payer hôtel. Michel, les Michel ont souvent gros ventre à cause de la bière. C'est pas facile de bouffer leur argent. Fabrice, si tu es en couple avec un Fabrice, il faut beaucoup les surveiller. Ces gens-là se marient souvent sans avertir. Si t'en gâte balle, oui. Si t'en gâte balle, oui. Oh. Alors, rue de la joie. Avec Colo, tu allez, oui. Avec condom. Pour réussir sa vie, il y a des relations qu'il faut arrêter. Il y a des gens à ne plus fréquenter. Il y a des endroits que vous devez éviter. Il y a des relations stériles qui ne vous apportent que rien et qui sont toxiques. Ayez le courage de couper certaines relations. C'est très important dans la vie. Le temps est précieux. Il y a des gens qui ne vous apportent rien du tout. Il y a des endroits qui sont dangereux pour votre famille, pour vos projets, qu'il faut éviter. Ne gaspillez pas votre temps, car votre temps, c'est votre vie. Comme on dit en anglais, time is money. Sois sage. Sois sage. En fait, c'est ce message même là que je voulais partager avec vous, les amis. Il y a des gens qu'il ne faut plus fréquenter. Après, vous avez compris le message. Je vais plus reprendre le message. Partagez la vidéo. Je vous ai dit, la page est restreinte. Partagez la vidéo, les amis. Encouragez-moi, partagez la vidéo. Et si tu es nouveau sur la page, sur la chaîne, abonne-toi. C'était le général Franco. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.